Qui a dit que ça te prenait une tonne d'expérience pour travailler à la cage? Ici, on te prend comme t'es, puis on prend le temps de te former. Aujourd'hui, je vais mettre les mains à la pâte avec notre sous-chef Sylvie, qui travaille à la cage depuis des années déjà et qui a franchement un parcours inspirant. À peu près 5 ans que tu travailles à la cage. Oui. Te souviens-tu d'emblée, qu'est-ce qui t'avait attiré? Et moi, j'adore la cuisine, j'ai toujours aimé ça. Alors, je me suis dit, regarde, je vais aller dans une place où je peux me développer, je peux apprendre, puis je peux grandir. Alors, ils m'ont accueilli, ils m'ont pris là, dans leur giron, puis ils ont dit, OK, tu veux faire quoi? On te le demande, tu veux faire quoi? J'ai dit, moi, je voudrais être chef, éventuellement. OK. Puis on va te donner les méthodes, on va te donner le support, on va t'aider, puis on va te pousser dans ce que tu veux faire. Parce que il n'y a pas d'âge. Il y en a qui viennent, c'est la première fois qu'ils rentrent dans une cuisine, ils vont avoir 40 ans, là. Ça fait rien, c'est le fun. T'sais, on va leur donner le care, on va leur donner la formation, puis on va les aider à cheminer dans ça. Il y a tellement d'horaires, il y a tellement de plages horaires dans une cuisine, là, les gens ne savent pas. Tu peux faire de la production, tu peux commencer à 6 h le matin si tu veux. À 2 h, tu as terminé. Moi, j'arrive à 8 h le matin. 4 h, j'ai terminé. Alors pour moi, c'est la fantastique. Vie c'est fantastique. Je reviens, je suis là pour les devoirs, tu sais. J'aime les gens. J'aime les gens. Tu rentres, on est de bonne humeur. Moi, je travaille avec de la musique. Tu crées, hein? T'as toute la créativité, même oui, s'il y a un oui. Et okay. C'est le fun parce que tu transformes quelque chose qui était dans un bol, puis tu fais une belle assiette avec. Alors, c'est juste le fun. Moi, je trouve ça le fun. T'es passionnée de ton menu. Tu sais, n'importe quel plat dont je te parle, tu me réponds avec la lumière dans les yeux. Mais j'aime ça. J'aime manger. J'aime voir les gens heureux quand ils mangent. L'action à la cage, c'est pas ça qui manque.